Ouais. 2007 SNIPER frangin. Taxi 4, quoi qu'il arrive, t'auras du life. Hello tout le monde, c'est Dragon. Après, on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un petit peu de Garry's Mod Dark RP sur le serveur Daikiliu. Alors, je me suis déjà connecté il y a à peu près même pas 5 minutes, juste pour voir si jamais tout était fluide, si jamais j'avais tout téléchargé. Ça marchait, donc du coup, là, on va rejoindre tranquillement le serveur, et puis on est parti. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas vraiment d'objectif, même si bon, j'aimerais bien quand même me prendre une maison et au moins avoir un printer bien planqué. Mais je sais pas encore comment faire parce que j'ai pas décidé le boulot que je voulais faire, etc. On verra bien, si jamais il y a des gens déjà qui sont cool, selon de toute façon Dark RP, vous avez beau avoir un plan, de toute manière, ça va aller sur un autre truc. Hein. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer dans cette vidéo. Personnellement, je vais essayer de filmer pendant à peu près une demi-heure, et puis après, parce que sinon au niveau du montage après c'est trop long. C'est vraiment trop long si je filme plus d'une demi-heure. Alors comme on peut voir donc les dernières nouveautés. Donc les employés un peu partout dans la ville, agents immobiliers, système de bus, un métro, système de braquage avancé, nouveau système de crochetage, des imprimantes qui sont traçables donc par la police, le cycle jour-nuit, système d'endurance, c'est la nouvelle map. Alors le cycle jour-nuit, je vois pas trop ce que ça change, en dehors du fait que ben des fois faut être chez soi parce qu'il fait nuit, mais sinon ouais je vois pas trop ce que ça change. Faut savoir que la map c'est une toute nouvelle map, donc je ne la connais absolument pas, voilà, comme on peut voir. J'ai déjà consommé un petit peu de mon argent étant donné que j'ai 190 au lieu d'avoir 200. Alors F4 c'est tout ce qui est commande, donc voilà, oui, caisse enregistreur, etc. Donc 250. Donc voilà, et puis après ici nous avons les imprimantes bien entendu avec les ventirades, etc. Donc ça c'est le menu normal. Dans les infos donc on a les admins, quels sont les admins connectés, les règles, le site web bien entendu. Donc là hop on va fermer. Et la collection sur Steam que j'ai déjà rajouté. Là ici on peut changer de nom, déposer de l'argent, donner de l'argent, jeter une arme, remplir un chèque, faire une annonce, licence d'armes, etc. Alors je suis désolé, vous avez plus de webcam. C'est vraiment parce que j'ai un gros bug. La caméra s'est soudainement déconnectée. Essayez de recommencer. D'accord, ok. Bah écoutez, là j'ai ma tablette qui me fait de la merde au niveau de la webcam. Boum, la webcam. Donc là on est dans une galerie. On peut aller sur le toit. Vous pensez qu'on peut se prendre des dégâts si je mets en saute comme des gros connards? Ah non, ça va. J'ai pas sauté d'assez haut quand même. Il y a un gros bouton, j'ai envie d'appuyer dessus s'il vous plaît. C'est quoi ce truc? What? Il y a des graffitis dans la ville? Ok. Bon. Alors on va essayer d'aller en centre-ville, vous voyez que la map a l'air d'être vraiment grande. Je crois que le centre-ville c'est plus par là-bas, non? Je sais pas. Bon, on va faire le tour, on va voir un petit peu. C'est quoi ici? Ah, ça y est, c'est ici qu'on peut choisir les jobs. Ah ouais, mais après vous voyez que je sais pas pourquoi ils ont mis des limites. Vendeurs d'âmes, bon après ouais, pour les vendeurs d'âmes, les cuisiniers, quincailliers, ouais remarque oui c'est logique, ça paraît logique parce que c'est que des vendeurs. Il pue la merde, schlag, il pue la merde. D'accord, ok. Bon. Ah, on peut personnaliser notre apparence. Bon d'accord, ok. J'ai fait de la chirurgie esthétique. Voilà, là on est au centre-ville, donc là il y a le truc de pizza, enfin il me semble. Parce qu'en fait je sais plus où c'est qu'il est le centre-ville. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous savez où est le centre-ville? Eh ben le centre-ville est juste là-bas monsieur. Vous avez juste à marcher... D'accord. Allez à la droite là. Et vous avez le centre-ville, la mairie, commissariat, etc. D'accord, merci beaucoup monsieur. Bonjour monsieur. Oui, il se passe des choses bizarres. Oh, là c'est la police. Enfin, il me semble. Ah, ça doit être la mairie. Il y a une webcam là-haut. Je sais pas si c'est une vraie ou pas. Faudrait que je demande. Et là, donc ici, on a la Non, ça, ici, c'est la police, pardon. Donc ici, en fait, on peut. Quand on est whitelisté comme étant policier, on peut tout simplement prendre un job ici. Personnellement, je ne peux pas prendre les jobs ici, étant donné que je ne suis pas whitelist en policier. Je suis whitelist tout court, mais pas en policier. Je pense que je vais faire vendeur d'armes si je mets il en reste un. Je vais bien voir. Ici, il y a le quincailler. Ah, bah, il y est pas. Attends, on va monter à l'étage vite fait. Ah, il y a une webcam. Ah déjà j'ai une peine. J'aimerais bien savoir où c'est qu'elle donne la webcam, enfin la caméra. Là ici il y a un ATM, ok, là il y a des trucs là. J'ai l'impression que quelqu'un a construit ici. Mais il est pas là. Enfin je sais pas, ça me paraît être un truc construit. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre, la map en tout cas elle est bizarre. Il y a une caméra mais il y a personne dans le bâtiment. Il y a personne dans le bâtiment qui fout de ma gueule ou quoi? Alors les quincailleries ils sont où sans déconner? Il y avait marqué quincaillerie juste au dessus, là. Premier étage. Ok, on va monter au premier étage. Moi, je pense que c'est ici, mais qu'il est pas là, le mec. Ah, du coup, là, il y a un bus. On va pouvoir peut-être prendre le bus. Alors, le bus qui nous amène... Campagne. Ah oui, on peut cliquer directement. Où c'est que ça nous amène? Je sais pas, moi. Campagne, zone industrielle, station service. Si je m'éloigne vraiment beaucoup, est-ce que ça met un message comme quoi c'est annulé? Ouais, d'accord, ok. Alors, je comprends pas, par contre, c'est qu'on trouve les métiers. Excusez-moi, monsieur. Oui. Oui, l'agence de Pôle emploi. Regardez monsieur, venez. Vous allez tout droit, là-bas. Vous voyez l'immeuble, à côté de la pizzeria. Où du passe-côté. Eh ben c'est cet immeuble-là, au rez-de-chaussée. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ah oui, alors je prends cette voix de merde, parce que voilà, j'aime bien prendre cette voix de merde. C'est là où il y avait la femme, là, tout à l'heure, non? C'est pas là? Ouais, c'est là. Mais le problème, c'est que...
on pourrait faire vendeur d'armes. Boum. Donc, on est vendeur d'armes, bon, on a toujours les mêmes trucs. On va aller s'installer là où il y avait la quincaillerie tout à l'heure, que là où on a vu comme quoi il y avait soi-disant une quincaillerie. On va s'installer au rez-de-chaussée. Je ne sais pas comment... Alors, est-ce qu'on peut acheter les propriétés ou pas? Je pense qu'il faudrait aller à la mairie. Voilà, c'est ça. Acheter pour 300. Allez, vous faire enculer. Il y a plein de trucs qui coûtent pas cher. Où c'est que je m'installe, moi, bordel? La vente à la sauvette est illégale. La police vous arrêtera et vous paierez une amende. Ceci s'applique à tous les commerces dans la maison, dans les maisons, ainsi que dans la rue. Le seul endroit où c'est autorisé, c'est les lieux prévus à cet effet, dans les zones commerciales en vente à l'agence immobilière. Donc en fait, actuellement, je sais pas comment faire du fric. Ça fait 21 minutes que je tourne, donc vous imaginez bien. Et je sais pas comment faire du fric, parce que c'est bien d'être vendeur d'armes, mais le problème, c'est que ben je ne peux pas faire vendeur d'armes. Oui. Peut-être monsieur Morin, c'est monsieur. Je viens de passer en plein milieu d'eux. Calme. Ta licence à 10€. Je vais aller. Je veux pas savoir ce qui se passe. Je veux juste tout pas savoir. Donc du coup, je pense que ce premier épisode, ça va être l'épisode du fail. Vous avez besoin d'un cachet, monsieur? Non, c'est rien, merci. Il est bizarre, votre pote, quand même. Non, mais ça, c'est depuis longtemps. Ok. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous, une bise? Si vous voulez, j'appelle le 112. Hein. Non, ça ira monsieur. C'était juste un petit moment de folie, vous savez. Sur ce monsieur, vous voulez une pizza? Non, ça va aller, tranquille. On peut monter sur le toit? Ah non, ah si. Bonjour monsieur. Bonjour, monsieur, restez loin, vous avez l'air agressif et pas bien dans votre tête là. Non, vous inquiétez pas. Oh ouais, non, je m'inquiète. Oh, des poubelles. Oh putain, il est complètement taré. Aïe, j'ai mal à ma jambe. Je comprends pas comment on peut se faire du fric dans ce jeu, mais vraiment. Alors, je veux bien que ça soit super RP et que Aikiliu il ait des millions parce que c'est le... Merci d'aller voter à la mairie. D'accord, on peut voter carrément. On peut voter carrément à la mairie. C'est pas mal, mais Non. Je vais pas me présenter à la mairie. Personne d'autre. Et après, tu vois pas d'un petit problème dans le cerveau, toi? Qu'est-ce que tu fais? Descends pas déjà. Le médecin, tu veux un bandage à la tête que je te soigne ou? Ouais, tu devrais l'aider, le médecin. Il a un petit problème. Oula. Eh monsieur, vous allez me suivre à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Où les fous là? Eh, tu vas bien, t'as pas au crâne, je crois, faut que t'ailles à l'hôpital, hein. Ni 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 ni. Oh non. Ah non, il n'a rien. Il t'arrive quoi? Dis-moi. Il est manqué juste un chromosome. C'est plus... Là, je peux rien faire, hein. C'est la police qu'il faut appeler, hein. Ou l'asile, hein. Écoute, éloigne-toi de moi, sinon tu vas avoir des problèmes. J'ai rien contre les handicapés, mais il faut pas trop me provoquer. Je suis en train de spammer mes touches, contrôle les aides. Non, le monsieur, non. Damien là. Monsieur. Il va faire de la propagande, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, je me mets là. Les gens s'en battent les couilles. Y'a un mec qui est sur la voiture du maire. Descendez de la voiture, monsieur. Pourquoi? Descendez de la voiture, monsieur, je suis obligé d'utiliser la force, hein. Mais j'ai rien fait de mal. Vous allez vous faire mal, monsieur, descendez. Ah, monsieur. Oh le vol! What the fuck? C'était quoi ce vol? J'ai fait un vol de 30 km! Excusez-moi monsieur, la tête à l'envers! Je fais quoi? Connard! Je sais pas comment je fais dans le centre commercial en haut là! Attends, je vois quelque chose. Il est con. Monsieur, je vois quelque chose de super avec une caméra en haut de la supérette là. Ouais, c'est un mec qui a ses points sortis.
Arrêtez de me taper, non, monsieur, il y a un fait du mal. Arrêtez. Arrêtez. J'ai mal. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît. J'ai peur. C'est trop haut pour moi. Vas-y, saute, comme ça je te soignerai. Non mais lui, non, non, non. C'est quoi ce bon? On sait pas, c'est ça le truc. Arrêtez, monsieur. Ça va, tu t'amuses. T'es enculé. Oh non. Oh, sa grand-mère. Oh non, il est mort. Non. J'ai mal fait mon travail. Vous êtes viré. Parce que t'as fait du yo-yo avec lui, mon gars. Lui, quand j'ai mis un coup, il volait, en fait. Au moins, on aura bien fini la vidéo. Faut un peu dire l'inverse. Au moins, on aura bien fini la vidéo. Bon, j'ai 31 minutes à monter, maintenant. Ça risque d'être long. J'ai 0$. Ils sont pas sérieux, j'ai 0$, j'ai rien. Porte quoi, mais sortez de là-haut, vous êtes complètement malade. Mais barrez-vous de là. Mais non, vous n'avez pas le droit de me taper, monsieur. C'est interdit. C'est interdit. Ah. D'accord. Ah. D'accord. Mais non. Tu vas te calmer de suite. Tu vas te calmer de suite. Allez, monsieur. Arrête. Bon écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo sur Dark RP, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Pensez à lâcher un like si ça vous a plu ou un dislike si ça ne vous a pas plu, me dire pourquoi dans les commentaires bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça me soutient à mort. Partagez la vidéo un max et puis voilà. Merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.